Dans leur enclos, ces trois béliers portent les couleurs de la Corse au Salon de l'agriculture de Paris. Et pour arriver à se faire une place au milieu des autres régions, les éleveurs insulaires ont rejoint le CORAM, collectif des races locales de Massif. Nous, quand on est en Corse, on est encore plus isolé que les autres. Et on a, le fait qu'on ait un retard structurel à combler, ce qui est très difficile, mais nous permet donc de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, par le biais du CORAM, aujourd'hui, donc le collectif des races locales de Massif, plutôt que d'apparaître chacun dans notre camp comme la cour des miracles, mais on a fait le grand peuple des minorités, ce qui fait qu'aujourd'hui, mais mécaniquement, on est au moins aussi reconnu que les autres races. Ce collectif regroupe la Corse, bien sûr, mais aussi Vosges, Pyrénées, Alpes et Massif central. Des zones à fort handicap naturel du fait des reliefs montagneux, mais aussi des petits élevages qu'il a fallu protéger. C'est le cas de la race Aubrac, à l'honneur cette année. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, certaines de ces races étaient menacées. À l'époque, on avait des schémas qui étaient un petit peu extrêmes, où est-ce qu'on disait qu'il y a besoin d'une seule race pour faire du lait, une seule race pour faire de la viande. Eh bien non, les éleveurs ont été, je dirais, fermes sur leur discours, ont sélectionné leurs animaux. Et aujourd'hui, cette richesse permise par les races et par les territoires de montagne est considérée comme un véritable atout français. Au-delà de la défense des races locales, le CORAM est aussi un atout pour l'obtention de financement. De par nos actions partagées entre les cinq massifs fédérés au sein du CORAM, on arrive effectivement à avoir des accompagnements financiers essentiellement pour de la recherche et du développement qui viennent soit de l'Europe, soit des commissariats de massifs. Et ils ne viendraient pas si vous n'étiez pas regroupés ? Il serait beaucoup plus difficile de les avoir et il serait difficile de pouvoir créer des vrais programmes parce que nous avons individuellement des effectifs un peu faibles. Créée en 2007, la démarche rassemble aujourd'hui 40 000 exploitants ovins et bovins, soit près de 3,5 millions de bêtes.